frères. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Le seul conseil qu'on peut vous dire, c'est d'être sage, de suivre les conseils de vos aînés. C'est l'étape de la vie. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes en prison qu'on va penser que la vie s'arrête. Il faut suivre donc les conseils de vos aînés. Nous également, nous produisons donc des conseils avec Madame Chouata, qui est l'assistance sociale. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons ouvrir une liste auprès d'elle pour nous dire ceux qui se comportent bien et faire un plaidoyer, non seulement pour vous libérer, mais également pour vous suivre également à l'extérieur pour votre insertion. Nous vous promettons toujours de revenir de temps en temps, toujours avec quelque chose, mais également avec des conseils et suivre également votre étape d'évolution, donc de votre propre changement. Donc, merci, continuez dans cette même lancée. Vous verrez que le futur sera vraiment très resplendissant pour tout le monde. Merci. Voilà.